sais, Rose, tu peux toujours raconter ce qui ne tourne pas rond à Monsieur Crotte sur le cœur. Mais tu sais, c'est parfois difficile de s'exprimer. C'est important de sortir le méchant. Voici, parle. Un message du ministère de l'émotion. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu fais du ménage, j'aimerais ça que tu te déplaces pas trop loin. J'ai quelques vélos à réparer, puis j'ai des amis à dépanner. Mais t'as pas, je sors mes affaires d'ici. Bien, qu'est-ce que je t'ai fait? Ça n'a pas rapport avec toi. Et tu vas t'installer où? Nulle part! Mais quoi? La mécanique, ça devient plate à la longue. Je comprends pas, là. Il y a pas si longtemps que ça, t'en mangeais de la mécanique, puis là, tout d'un coup, ça t'intéresse plus. Tu passerais ta vie les mains dans l'huile à déficit des soupapes, toi? C'est juste une passe, là. Ça va revenir. C'est comme moi avec ma business, là. Des fois, je m'en viens tanné, mais la passion vient vite. Hey, je pense que je le sais plus que toi. Salut! Oh, c'est lui, l'ami qui vient réparer son vélo. Entre autres, ouais. C'est quoi, t'aurais voulu que je fasse du vélo pas de frein? C'est le frein d'en avant ou d'en arrière? Les deux, je pense. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh, ça s'impie. Mais il était censé dormir ici hier, il a dû l'oublier. Il dort encore ici, lui? Ouais. Il avait sûrement encore besoin que je le dépanne pour quelque temps. Écoute, non, tu fais juste ça, dépanner le monde, achète-toi une remorqueuse. Qu'est-ce qu'elle a? C'est Rose Boucher. T'avais pas remarqué qu'elle était comme ça? Regarde, je sais, là, je la connais. Je sais comment elle peut être. Mais là, il y a autre chose. Ce qui paraît, pas du monde depuis quelques jours. Mais bon, hein, c'est plus mon problème. Oh. Hey, je sais pas si c'est mon vélo qui roule comme un œuf, c'est moi qui est en feu, mais man, je suis déchaîné, là. Je préfère 4 entraînements d'affilée. Bof. De quoi, bof? As-tu dormi dans un conteneur à vidange? Non, j'ai un peu mal au cœur. T'es mieux d'être en forme pour l'entraînement parce que d'après ce que Samuel a dit, ça va être intense. Je suis pas sûr là, que c'est une bonne idée, son idée d'entraînement double. On va être épuisé pour rien, puis on va être crevé pour notre match de demain. Là. Il aurait dû mettre ça sur 2 jours. J'imagine que si t'es Reda qui avait eu cette idée-là, t'aurais trouvé ça génial. Hey, pas en tout. Qu'est-ce que tu fais là? Y est-il arrivé quelque chose? Non, tu veux te voir ton match? Maman, ma game, c'est demain. Hein? Aujourd'hui, c'est juste un entraînement. Oh non! Mais demain, je peux pas. Je pars en petit voyage d'amoureux avec Rodolphe. Non, non, juste 2 jours, là. Mais pour ça, je m'étais dit que ça serait le fun de te voir un peu avant. Mais maman, c'est le matin. Oui, mais on partira pas trop tard pour en profiter. Il m'amène dans un super hôtel, là, juste à côté de l'aéroport. Les chambres sont pas chères parce qu'elles sont sur le bord de l'autoroute, mais il paraît qu'une fois en dedans, c'est comme être à Las Vegas. Wow! Ben, ça sera pour une autre fois, mon petit loup. Mais tu peux rester, même si c'est juste une pratique, hein? Oui, mais là, ça n'a pas vraiment rapport, là. Je pourrais même pas crier pour t'encourager. Ben oui, tu t'assoiras dans les estrades plus loin, puis... En plus, ça va être un entraînement double, hein? Ah, tu trouves ça le fun, finalement, hein? Ben oui. Allez, viens, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que ça risque d'être impressionnant. En plus, c'est dans les pratiques qu'Henri performe le plus, là, quand il n'y a pas de pression. Ben oui, pourquoi pas? Mais il faut que ton coach soit d'accord, par exemple. Mais oui, c'est sûr qu'il va vouloir. Veux-tu un jus? Hein? Regarde, c'est cute. C'est vrai que ça me tombe sur le cœur, le jus. Non, je vais aller m'acheter un café, puis tout pendant ce temps-là, prépare-toi, mon grand champion! Je sens même que mes joueurs là, sont sur le bord de passer un autre cran. Comme une espèce de cohésion entre les attaquants et la défense. C'est exactement comme la première saison de l'épée. Même chose. Tu sais, pourquoi je vais pas faire un double entraînement? Tu le sais comment c'est intense, puis c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se sentir comme une famille. Qu'est-ce que tu fais après, toi? Je sais pas, je vais leur montrer comment se placer sur le terrain un coup d'avance. Hein? Non, non, je veux dire, ce soir, après ton entraînement. OK, man. Ouais. On va être brûlé, là. Ouais. Puis demain matin, tu fais... Ou soir, là, si ça ne marche pas. Parfait. Capote, là, man. Ah, mais non, sur quoi?
Tu capotes parce que Laurent ne rappelle pas. Pas en tout. C'est toi qui capotes. Mais pourquoi t'es ici d'abord? Ben parce que je suis passé voir mon chum. J'ai du droit. Pourquoi t'es tout le temps sur ton cellulaire d'abord? Mais parce que je. Je checkais là. C'est toi qui me dis que t'es en retard. Man. On va revenir, là. Ouais, ouais. Comme d'habitude. Là, c'est. Bon. Regarde, ce que tu fais pour te divertir d'habitude, c'est cruiser. Je peux pas t'aider à le faire, là. Je sais, mais de toute façon, je suis pas là-dedans, là. Ce serait beaucoup trop chiant pour Laurent de mettre à cruiser quelques heures avant qu'il revienne en courant. Ça serait chiant pour Laurent de se faire une thérapie, toi, depuis hier. Mais... Hey! Hein? Rose! Ah non, t'es pas chanceux, man. C'est pas que le seul moment où elle est pas enfermée dans sa chambre de la semaine. Et où? Je sais pas. Comment tu la trouves, toi, ces temps-ci? Moi, je pense qu'il faut pas s'en mêler. Wow! Hey, ça, c'est de la compassion, mon Sam. Dave, c'est parce que j'ai essayé d'y parler que je te dis ça, là. Tu sais, c'est Rose, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien. Peut-être, mais je suis quand même meilleur que toi pour la faire parler. Bon, vas-y, man. Mais c'est quoi, là, ça a rapport avec l'autre, là? Simpy? Je sais pas. Je pense qu'il s'est passé quelque chose après le bal, mais un fret ou un. Sam, je pense à ça, puis c'est vrai que tu vas être brûlé après ton entraînement double avec tes petits moucles. Ouais, je vais venir avec toi. On sera pas trop de deux. Non, 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 c'est correct. Je suis capable de m'occuper d'être ça tout seul. Sam, envoyez donc. Vraiment, là? OK, mettez-moi assis en couche. Tu tiens le ballon, puis c'est tout. OK, promis. Hey, vous voulez voir, là? Moi, j'ai la camionnette de Suzanne, fait que... Ouais, c'est bon, comme ça, je prends ton temps. Sam, est-ce que ma mère pourrait venir assister à l'entraînement? Absolument, ça ne dérange pas. Ouais, pas de problème. Yes. Jusqu'à quelle heure, coach? Ben ça, ça dépend de ce que vous allez donner sur le terrain. Hein? C'est Carl qui va nous coacher. Bon, Carl va être là puis il va se fermer la trappe, OK? Hey! Oh, c'est quoi, tu me suis? Non, non, je faisais juste un livre à Sam. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est sûr que tu dois manquer de lecture après toutes ces journées-là enfermées dans ta chambre. Tu peux me parler Sam, à mon site. Sam, j'espère que tu vas me montrer des exercices qui flashent un peu quand même. J'ai mon plat pour Sam, laissez s'amuser un peu quand même. Ça fait peur? C'est juste moi. Je pensais que j'étais toute seule. Tu travailles pas, toi? Non, je suis venu faire mon lavage. Mon œil. Quand tu vas faire ton lavage, là, je le sais du deuxième étage. Ça s'en souvient dans toute la maison. OK, j'arrête de niaiser. J'avoue. Je suis juste venu voir si t'étais correct. Comme tu vois, je me lave puis je mange. Là, je parle à l'article de la mort. Mais qu'est-ce qui se passe, Rose? Là? OK, bye. Si c'était pas si grave que ça, là, ça te dérangerait pas de m'en parler. Là. C'est quoi, là? C'est à propos de Simpy? Je veux pas en parler, c'est clair? Encore moins à toi qu'à n'importe qui d'autre. Mais pourquoi pas? Parce que je t'avais dit de faire attention. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair avec lui. Là, c'est quoi, là? Y a-tu dit quelque chose de chien? Est-ce qu'il a essayé de t'embrasser? Ah, voyons, t'es bien débile, je capoterais pas rien que pour ça. Il a vraiment été cave, point final. Mais il a pas fini avec moi. Dave! 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 C'est servi à quoi, cette première partie d'entraînement-là? Nous rappeler des souvenirs du U8? J'ai un plan précis pour l'entraînement, tu le suis, puis c'est tout. Ouais, mais il est plat, ton plan. Je travaille sur la cohésion d'équipe, pas sur la jonglerie de show-off, moi. Tu me prends pour des bébés, là, avec tes passes de A à B bloquées par 6. On a dépassé ça. On sait pas que t'étais bébé, mais avec la petite crisette que t'es en train de me faire, là. Je trouve pas de spécial parce que ta mère est là. Ça n'a pas rapport, OK? C'est juste que là, j'ai rien appris aujourd'hui. Avoir su, je serais resté chez nous. Mais dans ce cas-là, tu peux y aller, j'ai pas besoin de toi. Quoi? C'est quoi la joke? Suspendu pour la pratique. Hein? Suspendu pour une pratique? C'est n'importe quoi! Ben, passe à ton attitude avant de tuer le ballon, OK? Sam, les nerfs, man! Donc, si je t'ai déjà vu chialer pour un exercice... Toi, j'ai déjà assez d'impact pour aujourd'hui. Si tu restes, tu te la fermes. Tout le monde sur le terrain dans 10 minutes. Pff, elle capote! Je vais aller y parler. Regarde,
Je t'ai excusé, là, pis ça va être correct. Jamais, là, je l'ai lié contre! Simpy, c'est Dave. Rappelle-moi sa presse. Oh! Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu t'aides pas Henri, là. Ah, c'est correct, que Sam. Je m'en occupe. Non, c'est vrai, je suis pas bon là-dans la psychologie sportive. Là, j'ai un petit frère complètement fêlé, fait que je vais... Ouais, non. OK, je vais être sur le terrain. C'est beau, là, je m'en vais. Non, là, tu restes ici. Puis tu nettoies le vestiaire. C'est ça, ouais. Hey! Tu torches le vestiaire. Sinon, là, je te vois pas à la prochaine game. Calme-toi, Karate Kid. Il y a des concierges pour ça. Tu torches, OK? Je m'en vais porter ses affaires, moi, je veux plus le voir ici. Je te défends d'aller le voir. Il avait promis qu'il allait faire attention à toi. Mais c'est pas de sa faute, là. C'est juste un épaisse. C'est moi, la conne, qui a pensé que... Je m'en veux tellement, là. Il faut que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé, Rose. Moi, je me fais des idées dans ma tête, là, pis c'est pas bien beau. OK. Je vais tout te dire. Mais t'en parles à personne. C'est trop gênant. Pis tu me promets de pas aller voir Simpy. C'est ça ou rien. Sinon, je parle pas. Sur la tête de Suzanne? Sur la tête de Suzanne. OK. Allô? Hey, mon champion! Je t'ai acheté un lunch pour ton break. Maman, tu sais là, que je peux pas manger de hot dog en deux pratiques. Mais quoi? J'ai des protéines. Oh, puis je peux pas en manger. Non. De toute façon, je ferai pas le reste de l'entraînement. Je me demandais aussi pourquoi t'étais plus sur le terrain. Maman, là, on est dans le vestiaire des gars. Hey, tu t'es pas battu, là? Hein? Ben non. C'est juste Sam, là, qui nous fait faire des entraînements de bébé, puis il a pas pris que je lui mette la vérité en pleine face. Il a pogné une heure. Puis là, ça a l'air que si je ramasse pas tout ça avant la fin de l'entraînement, je bench le prochain match. Hein? Voyons, pour qui il se prend, lui? Pour le King Soccer à Valmont, ça a l'air. Hey, s'il est pas capable de se contrôler, qu'il reste chez eux, c'est lui qui a foutu le bordel demain. Hein? Oh, non, c'est juste... Il a juste pogné les nerfs en parlant. C'est tout. OK. Qui c'est qui a fait ça, d'abord? Ben, c'est peut-être un peu moi. Mon petit lion en cage. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas fin? Il est toujours sur mon dos. Mais oui, mais ça te ressemble pas, ça. C'est pas la première fois que t'es pas d'accord avec un prof ou un coach, puis tu réagis pas de même, d'habitude. Tu viens jamais me voir. Il fallait que ça tombe sur la faute, tu décides de venir. Je ramasse cette affaire. Je te laisserai pas faire ça tout seul, certain. J'ai un moment, hein? Non, pas de moment. Ça va briller ici dedans quand ton coach va revenir. Il est pas question que tu manques ton match de demain. OK. Bon. Ah oui, là, tu vas pas laisser ta mère faire ça tout seul à ta place?
après le bal, je suis allée dans un party chez des amis de Simpy. Avec du monde plus vieux? Il a beaucoup insisté pour que j'y aille. Il avait pas mal sur le party. Puis c'est vrai, on s'est embrassés à un moment donné. C'est lui qui m'a embrassé, mais je voulais, Dave. Après ça, je l'ai pas revu pendant un bout. J'ai commencé à chercher dans la maison, puis quand je l'ai trouvé dans la cuisine, il frenchait une autre fille. Mais tu sais, c'est un peu ça, le party, là. Plein de monde qui se frenchait sans sortir ensemble. C'est moi, la niaiseuse, qui a pensé que ça voulait dire quelque chose. Non, non, non. 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 Je t'arrête, là. Et on n'est jamais niaiseux de croire les autres. C'est les autres, les morons, qui nous déçoivent. C'est Simpy, l'imbécile, qui a pas fait attention à toi. Imbécile, cave, épais. Je pense qu'on a fait le tour. Puis je me retiens de pas en dire d'autres. Tellement honte depuis une semaine, Dave. J'ai pleuré comme une petite fille devant du monde que je connais même pas. Puis après ça, j'ai appelé Suzanne pour qu'elle vienne me chercher. T'en as parlé à maman? Non. Non, j'ai inventé une histoire pathétique de chicane de fille. En tout cas, t'as fait la bonne affaire en partant de là. Ça avait vraiment pas l'air d'un party pour toi. J'attendais ça depuis tellement longtemps. J'ai rarement été aussi heureuse. J'ai eu tellement mal quand je l'ai trouvée dans la cuisine avec elle. C'est ça qui a fait le plus mal. Passer de reine du monde, dernier tonne marde dans quelques minutes. Ouais, je sais. Je me suis déjà senti de même. Et tu dis qu'on s'en remet de ça, toi? Ouais. C'est sûr que c'est dur à croire, mais je te jure que oui. Oui? Comment? Avec le temps. Tu m'avais dit de faire attention en plus. T'es de même, toi. T'écoutes pas les conseils des autres. D'aller voir par toi-même pour te faire une idée. C'est de même, ça a presque l'air le fun. Faut que tu tombes pour apprendre, toi. Ça va te servir ailleurs, cette petite tête de cochon-là. Ton offre d'aller porter ses affaires, ça tient toujours? Maison. Ça va me faire du bien d'aller porter ses affaires, lui. Mais tu lui dis rien. Je lui donne le sac, c'est tout. Doucement. Ça va être difficile, mais je vais le faire pour toi. Bonne pratique, là. On peut juste vous arranger pour vous sentir moins mauvais, OK? Allez. Allez, je vais vous parler avant de partir. Je peux-tu te parler deux minutes? Ouais. Vous voulez me parler d'Henri, je suppose? Non, non. Lâche-moi le vous, toi. OK. Je sais que tu l'as suspendu de sa pratique. Ouais, fallait vraiment que je fasse quelque chose. Je veux juste te dire merci. Ça va lui faire du bien de se faire tenir tête un peu. Moi, je suis pas capable de me pencher contre lui, c'est mon tipit. Non, je comprends. Je l'ai aidé à ramasser le vestiaire, tu vois le genre. Ouais. Mais dis pas que je te l'ai dit, là. Non, non, lâche-le pas. Ça va lui faire du bien de se faire brasser par quelqu'un qui admire. Fini! Ouais, on repassera pour l'admiration. Hey, coach. C'était là? Ouais, il y en avait juste en dessous des buissons. Et Anthony, est-ce que ça tente qu'on aille se faire des passes sur le terrain? Non, moi, je suis mort, là. La deuxième partie de l'entraînement était vraiment intense. Ah bah, j'allais me changer, moi. Harry,
Moi, je peux peut-être y aller avec toi. On peut peut-être faire une coupe de tête pour montrer à ta mère. Hé, hey, mais ça, un joueur du 2 en plus, ça va être encore plus hot. Ton vestiaire est-tu propre? Bon, c'est une propre. Allez, va te changer. Ah, ouais, coach. T'es bien smart, toi. Et c'est charmant de ta part. Ah. Je suis content de voir que tu vas mieux, hein? Tu fais même des efforts pour ce moment. Arrête, je t'ai dit, je suis plus là-dedans, il va revenir. Tu vas me dire que tu cherches pas quelque chose à faire, faire des passes avec Henri, vraiment? Moi, j'ai pas le droit de montrer ce que je sais au petit jeune. T'sais, moi aussi, j'ai le sens du. Du pédagogique. Pas besoin d'être coach pour ça. Ouais, c'est le terrain, Henri, t'attends. Sûr là, que tu vas être correct. Je suis une grande fille. C'est juste que j'avais promis à Charles que j'irais le voir. C'est correct, Dave. J'ai juste besoin d'aller m'étendre un peu. J'ai bien plus appris qu'en douche entraînement de l'épée. Arrête, t'exagères. Non, je t'ai dit, j'étais en feu. Quand est-ce qu'on sait qu'on est rendu assez fort pour le calibre 2A? Ben, quand prenant, toi, t'es tout trempe de sueur, puis pas moi. Allez, à la douche. Je te revaudrai ça. Pas de quoi. Hé, hé. Puis ton gros entraînement. C'est bien passé? Ouais. Ouais, vraiment, les jeunes ont appris, pis tout. Je reprends ça bientôt. Ah, tant mieux. Juste Henri, là, des petits problèmes, mais ça va. C'est sûr qu'Henri, c'est pas le gars le plus facile, mais... Oh, que non. En même temps, tu le connais, hein? Ouais, mais on dirait que je le connais de moins en moins. Rose est encore enfermée dans sa chambre? Elle fait une sieste. Pis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bon. J'avais pas tellement le goût d'être chez nous, pis... Ça me fait du bien de revenir ici. Ouais. Elle t'a parlé à toi, hein? Ça se peut. Puis? OK, correct, j'ai compris. Est-ce que je descends ton lavage, en pensant? Non, non, non. Non, c'est une petite commission que j'ai à faire. Je pourrais peut-être revenir avec des films. Tu sais, quand Suzanne sort avec son amie Francine, ça revient jamais de bonheur. Puis on pourrait peut-être se faire un petit souper, tous les trois. Ouais, ce serait nice. Cool. Tu vas y aller mollo avec elle dans les prochains jours. Inquiète-toi pas, le gars.